Et re de retour. Profitez pour gagrailler. La petite fringale de 5h30 du mat. Une heure grand max, sans doute moins. Pronostic sur la fin avant qu'on y arrive. Jusqu'ici, tu vises juste. Je vise juste par rapport à l'histoire du DLC, là, comment ça va se passer à la fin. C'est ça? Ok. Non, mais après. Quand j'ai vu les premiers trailers du jeu, j'ai vu les messages là, que Rose voyait sur les murs, je pensais de suite à quelqu'un qui nous aidait, justement, et pas un retournement de situation comme on a pu avoir dans d'autres jeux où. Et une personne qui t'aide tout le long du jeu comme ça et qu'à la fin ça se révèle être un méchant. Ça arrive trop souvent ces derniers temps dans les jeux quand même. Donc je m'attendais vraiment à ce que ce soit quelqu'un qu'on connaissait possiblement et vraiment quelqu'un qui nous voulait vraiment du bien. Mais j'aurais pas pensé de suite à Ethan au final au début. Et maintenant, comme j'ai dit, en ayant refait le jeu de base juste avant, la fin du jeu de base juste avant, et que ce soit encore aussi frais des infos par rapport au Megami 7 dans ma tête, il n'y avait pas photo. Quand ça a parlé de conscience du Megami 7 dès le début. Et bon, je faisais des calls, hein, j'aurais très bien pu me tromper. Pour le moment, que ce soit niveau gameplay ou du DLC ou sa petite histoire, c'est 20 sur 20 perso. Un peu comme toi et Usui qui est passé tout à l'heure. C'est là l'histoire des Winters, elle est vraiment bien amenée. Parce qu'ils ont réussi à faire du. C'est con, ils ont ré... encore une fois, ils nous ont fait du vieux, enfin du neuf avec du vieux, Capcom. Mais ils ont réussi à tourner ça tellement bien. En nous modifiant la perspective, un petit peu le gameplay, ça passait tout seul depuis le 7. Moi j'ai pris ça un peu sur le tard. J'ai eu le jeu assez vite, parce qu'on me l'avait offert à un moment sur Steam, le 7, mais j'ai pas pu y jouer de suite parce que mon PC portable à l'époque ne le faisait pas tourner. J'ai rongé un peu mon frein jusqu'à avoir un PC capable de me laisser y jouer. Il faudrait que j'y repense en regardant mon retour d'OBS. Ce qu'il va falloir que je pense à réinvestir, c'est une webcam dès que je vais pouvoir.
C'est ce qui manque un peu sur le stream maintenant. Quand je regarde certains de mes anciennes VOD, j'arrivais à faire des trucs plutôt bien avec la webcam présente, justement, et au moins on pouvait voir mes réactions en direct. La phase là des mannequins qui auraient eu la webcam, voilà. Mais ouais, comme tu dis, allons-y. Je rallume ma clope. Bah pour, justement, pour ce genre de jeu en particulier qui se veut un peu horrifique, horrifique dans l'âme, ça aurait du sens. C'est quoi cet endroit? Et on revient dans le village. Ah, je pensais qu'on était du côté des Beneviento, mais non. On revient dans le village de la même façon qu'Ethan y arrive. Et que Chris aussi à la fin. Le noyau géant. Moi, l'objectif est simple. Il va falloir que je les économise pour la fin, je pense. Parce que tout à l'heure, je me suis retrouvé un peu. Oui, désolé. Pas. Là, j'ai envie d'avancer parce que voilà. Mais j'ai vu le. Ah, je voyais ça, justement. Là, une grosse partie du village là qui est noyée. La moisissure, tout simplement. Dans le château. Il y a tout ça en haut. Ça fait un peu comme si ça se nourrissait de. Le village se nourrit de ce qu'on voit en haut. Ouais. Ça fait justement, comme tu dis, là, ça fait comme s'ils étaient le village pour rester, se nourrissait de ce qu'on voit là-haut. Donc là-haut, c'est les consciences, je pense. Il nous faut des ennemis, mais pas des ennemis solides. Enfin, c'est bien, mais. Et...
m'a pas vu, donc ça. Que je t'attaque, je pense. Dégage. Faire nettoyer un peu. Il faut que je trouve ce cristal. C'est de là que venaient tous ces clones de moi. Mais en voyant ça, je réagis. Si, d'une certaine manière, Rose est pas morte avec le Megami à côté du Megami 7. Mais elle a fait partie du Megami 7 à un moment. On la voit en sortir au début du fight avec Miranda. C'est pour ça qu'il y a tout ça ici aussi. Le Megami 7 absorbe les souvenirs de toute vie à sa portée, mais il y a des lois qui régissent ce monde intérieur. Il me semble utile de les noter au fur et à mesure qu'elles deviennent évidentes. Les souvenirs constituent ce monde, ne reflètent pas strictement la réalité. Seules les personnes sensibles aux mutamycètes de leur vivant conservent leur faculté. Ici, cela rejoint ma compréhension du mégamycète telle qu'elle me l'a été révélée à travers les visions que j'ai eues avant de mourir. Oui, je suis. Oui, je me doute que tu me laisses découvrir, mais c'est mes hypothèses à voix haute que je fais. Je pense que je suis pas loin de la vérité au final, en voyant ça. Oui, je suis morte, mon corps physique a disparu, absorbé dans le Megami 7. Et pourtant, je n'ai pas perdu espoir car ce destin m'a permis de découvrir des choses fascinantes. Toutes ces années passées à me battre n'ont pas été vaines. Souvenir, la conscience, la compréhension et les connaissances, tout ce que j'ai accumulé durant cette vie a pu être transféré ici dans le Megami 7, devenant ainsi une source de pouvoir dans ce monde. Si je parviens à exploiter ce pouvoir, je pense être en mesure de m'immiscer dans les pensées et les souvenirs des autres. Bien sûr, les conditions sont loin d'être idéales. Avec tant d'esprits et de souvenirs rassemblés ici, trouver et récupérer une seule personne au milieu de cette foule s'est avéré être un immense défi. Ces souvenirs sont ici, oui, mais éparpillés. Ce qu'il faut, c'est peut-être la bonne enveloppe qui pourra l'accueillir. Et bien sûr, je connais l'enveloppe parfaite, la seule vraie candidate que j'ai pu trouver durant toutes mes années de recherche, Rosemary Winters. Donc ça, c'est Miranda qui a écrit ça. Et les souvenirs, elle parlerait de ceux de sa fille. Alors ce que je vais faire, c'est je vais faire une sauvegarde séparée pour revenir à l'autre point de save que j'ai laissé en arrière. J'avais l'intention de reproduire Rosemary Winters avec l'espoir qu'une réplique parfaite puisse servir d'enveloppe. Malheureusement, les résultats n'ont pas été concluants. Il semble que quelque chose m'empêche de créer une réplique adéquate. Ce que j'ai réussi à fabriquer n'est ni plus ni moins qu'une poupée vivante.
Mais elle n'a aucun pouvoir. Une telle coquille vide ne pourra jamais servir d'enveloppe. Je dois redoubler d'efforts pour mettre le doigt sur la cause de cet échec. Quelques hypothèses me viennent en tête. Le fait que Rose est toujours vivante, la présence de quelqu'un d'autre dans ce monde, une faille dans mes méthodes de production. Je vais dire les trois. Rien de tout cela ne semble pouvoir être l'unique cause, et aucun de ces problèmes n'est facile à régler. Peut-être que je devrais trouver un moyen de faire venir Rose dans ce monde. Les choses seraient en effet plus simples si elle s'offrait comme enveloppe. Observation complémentaire. D'autres expériences avec ces copies de Rose, comme j'ai pris l'habitude de les nommer, ont dévoilé une autre piste intéressante à suivre. Lorsqu'elles sont soumises à des situations de peur extrême, elles se mettent à exprimer un semblant des capacités de Rose. Cela mérite des recherches plus approfondies et je pense que ma première création, le duc masqué, est la personne idéale pour mener ce test de stress. Hein? Donc, ce que je pensais être le duc mort au village serait qu'une copie du duc. Tout simplement. Vu que lui aussi, il a. Vu que lui aussi, il a été très proche du Megami 7 quand même. Et on ne sait pas pendant combien de temps. Enfin, on sait qu'il côtoyait tous les lords et Miranda elle-même. Donc bon. Pendant que je menais mes expériences avec les consciences, il semble qu'une intruse ait élu domicile dans mon royaume. Celle-ci n'est autre que cet échec, Evelyn, qui a cru bon de poursuivre ses propres intentions pathétiques, venant du même coup perturber mes plans. Si elle n'était pas intervenue, Rosemary Winters aurait été au bord du désespoir, dépourvue de sa volonté de vivre et de ses pouvoirs. Au lieu de cela, elle semble être animée d'une nouvelle flamme que je vais devoir éteindre. Donc Evelyne a mis des bâtons dans les roues. C'est glauque quand même. Putain. C'est fou qu'ils aient réussi à nous pondre ça. Je voudrais pas être dans la tête du mec qui a pensé à ça quand même. Pas du tout. Le brainstorming pour le développement du jeu. Encore cette sensation. C'est tellement fort. Ça doit être le cristal. L'énergie qui m'a attiré ici est proche, mais je n'arrive plus à avancer. Moi qui pensais avoir réussi en apercevant cette lumière bleutée. Si seulement j'avais été plus courageuse, plus rapide, plus forte, j'étais si près du but. Ouais, ça, je pense vraiment que c'est Miranda. Elle le dit elle-même dans la cinématique juste avant son fight, de toute façon, que le Megami 7 et le fait qu'on en fasse partie, que ce soit avec Rose, Ethan, tout et tous les autres, c'est une grande conscience. On le sait déjà au final. Dieu noir qui vit en nous et nous abrite en son sein, crée pour nous un monde nouveau selon ta volonté. Ta sombre conscience nous réserve un second destin, gracieusement offert et joyeusement accepté. Tu bois le sang de l'agneau perdu qui se répand sur cette terre à son prix, pas pour détruire, mais pour préserver et une fois de plus donner la vie. Non mais j'hallucine.
Oh. C'est beau. Façon de parler, hein, mais c'est bien écrit. Je sais pas trop d'où ils auraient pu tirer ça. Cette fois, c'est le bon. Je peux le sentir. Contre le fait que si je suis vu que je suis à la fin, maintenant je suis sûr, bah, le fait qu'on ait que deux armes, c'est très bien, parce que ça permet de mettre en avant le pouvoir de Rose, même si je m'en suis pas beaucoup servi au final. À part sur le combat de boss. Et ouais. C'était à prévoir que c'était Miranda. Rose, je t'attends depuis si longtemps. Qui êtes-vous? Mon nom est Miranda. Quoi? Tu étais devenue si puissant. Bien trop puissante pour que j'intervienne directement. Et donc, j'ai dû t'attirer dans ce monde pour t'inciter à renoncer volontairement à tes pouvoirs. Non, mais Kay a dit que... C'était lui? Ou c'était moi? Ce Kay n'était qu'une illusion. Plutôt convaincant, tu ne trouves pas? Donc même le Kay qu'on a vu au début, c'est un reste des souvenirs dans le Megami 7. Putain, Miranda, du coup, ça veut dire qu'elle lâche pas l'affaire. Hein. Ah, c'est beau, putain. J'adore. Papa, attends, attends. C'est vraiment toi? Oui, il faut que tu cours. Allez. C'est beau et triste en même temps là, par contre, vu qu'on sait déjà que c'est la dernière fois qu'on verra Ethan. Trop tôt que c'était notre père, ça, ouais, ça aurait changé beaucoup de choses. Mais il fallait que je trouve une issue. Et j'ai réussi. On y est presque. Je vais le redire, hein, comme j'ai dit à mon pote tout à l'heure, là, quand j'ai repris la fin des, du jeu de base. Hein. J'adore la VF. C'est fou. C'est la première fois que dans un jeu, j'adore autant la VF. Ethan, tu n'abandonnes donc jamais. Papa ! Rose, tu dois t'enfuir. Vis une vie normale. Fais-toi des amis. Plus personne ne te traitera de monstre. Mais non ! Fais ce que je te dis ! Je veux pas te laisser là. Je sais. Je sais. Je t'aime, Rose. Mais je veux que tu t'en sortes. Alors s'il te plaît. Ethan, petit impertinent. Je m'en occupe. Va-t'en d'ici. Mais...
Ben non, Ethan, c'est ta fille. Elle t'abandonnera pas. Non, ouais, putain, je m'y attendais ça aussi. On pète complètement Je m'en occupe. le fait de pourquoi on était revenu Tu ici. penses vraiment que tes pouvoirs suffisent à nous donner tête et cœur dans le domaine? Pauvre imbécile. Fais comme tu crevais d'envie que je m'en débarrasse. Il pourrait bien faire l'affaire. Pourquoi me convaincre? Ce sera bientôt terminé. Aïe. Que dis-tu de ça? Putain, faut y arriver à faire les esquives quand même. Et même si tu devais sauver, à quoi est-ce que ça servirait? Tu ne veux pas sauver. Vous êtes de deux mondes différents. Ok. J'appuie sur R au lieu d'appuyer sur E pour esquiver. Non mais. Prépare-toi à pleurer des larmes. Oh par contre. Je voudrais bien que les esquives elles passent. D'accord, c'est... Je vais te mettre à la chaîne. Je vais être déjà en train de me déplacer avant de... d'esquiver. J'ai cultivé ce monde dans le mégamycète. Aïe, connasse. Mais parmi toutes les enveloppes que j'ai créées, aucune n'a eu le pouvoir de la régénérer. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Ah putain. Tu es la seule qui puisse me la ramener. Quoi qu'il en... Utiliser ça. Quoi que je dois faire, j'atteindrai mon objectif. Le jeu. Arrête de me faire des touches gratuites, s'il te plaît. Pourquoi les esquives elles fonctionnent plus? Voilà. Il n'y a pas de honte à abandonner. Pourquoi souffrir? Je voudrais bien que les esquives elles passent, s'il vous plaît.
Attends, ça me... Merde, là je l'ai bousillé par contre. Ah merde, du coup j'en ai absorbé deux, mais... Ça m'en a pris une. Merci le jeu. Par contre, il veut pas qu'on crève le jeu, ou c'est comment? Ah si, c'est bon. Solide Rose quand même. Mais ouais, c'est bon. Juste un peu de mal avec les esquives. Je vais peut-être passer à la manette pour voir. Tu penses vraiment que tes pouvoirs suffisent à me tenir tête au cœur de mon domaine? Pauvre imbécile. Ouais. Fais comme tu crevais d'envie que je m'en débarrasse. Il pourrait bien faire. À bientôt. Et ok, c'est ça pour absorber le projectile. Pourquoi souffrir? Tu m'écoutes. Et même si tu devais souffrir, à quoi est-ce que ça servirait? Tu ne peux pas souffrir. Vous êtes de deux mondes différents. Vas-y, envoie ton deuxième. Que dis-tu de ça? Tu n'as rien à faire. Elle est où? Maintenant, reviens. Prépare-toi à pleurer des larmes. Mais merde! Me voilà. Offre-toi à moi. Essaye ça. Impossible. Il y a vraiment des trucs que j'arrive mieux à faire au à la manette au final. Mais tu es incroyable. Le jeu en valait. Tu changeras peut-être la vie quand j'aurai ruiné tes plans. Je vais te mettre à ma chenille. Allez. Ça va juste être le jeu des esquives. Hop. J'ai non. Cultivé ce monde dans le Mega Mindset. Mais pardon, j'ai fait. Merde. La mérite celle-là. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Tu es la seule qui puisse me la ramener. Quoi qu'il en coûte, quoi que je doive faire, j'atteindrai mon objectif. Vas-y, fais ta bouboule. Viens, rejoins-moi. Coup, dernière phase. Aucune fin heureuse. Dis la vilaine sorcière, la fin de son règne. Tu vois.
comprennent. Ils te comprennent. Putain, mais... Tu persistes. Tu es bien là. Des obstinations. Ok, ça nous recharge. Tu es l'enveloppe parfaite pour mon élan. Elle est où? Aïe. Allez. Allez, dernière phase. Oula. Tu n'as aucune chance. Mon combat porte ses fruits. C'est gratuit là ce que je nous fous dans la gueule quand même. C'est ce que je reproche au combat contre Miranda avec Ethan déjà, de toute façon, et ce combat-là c'est la même chose, c'est tu prends trop de touches gratuites. Putain, cette scène avec le truc en fond, je viens de capter. Même si j'étais pas avec toi, j'ai toujours veillé sur toi. Pardon de ne pas avoir pu te protéger. Tu m'as toujours protégé depuis le début. Non, pas cette fois. C'était ta seule chance. Je suis désolé. Non, c'était mon choix. Et j'ai absolument aucun regret. Si j'étais partie, on n'aurait jamais eu cette chance de se parler en face à face. Alors ça va. T'en fais pas. C'est beau quand même.
Et du coup, Ethan avait prévu de sortir du Megami 7 avec Rose, ça voudrait dire? Ah, Rosie. Tu penses que le garçon arrivera à toucher la lune? Mais personne peut toucher la lune, c'est beaucoup trop loin. Mais imagine. D'accord. D'accord. Alors là, oui, peut-être. On rejoint la cinématique de fin de jeu de base. Enfin, d'après. D'après générique. Bah, déjà, le fait qu'ils réutilisent la même cinématique, bon. Réut comme d'habitude, hein, c'est gratuit. Mais on comprend mieux pourquoi elle fait ça en fait. Pourquoi elle est contente d'aller sur la tombe de son père. Parce qu'on savait pas au final. Salut papa. Joyeux anniversaire. Désolée de pas être venue la semaine dernière. J'ai pas mal de tests à passer. Tu sais ce que c'est? Évidemment, quand on parle du loup, le devoir m'a. Eh, hey, Mia, tout ce qu'on sait au final du peu que Rose dit là dans le DLC, c'est que elle s'est occupée d'elle et tout, mais ça s'arrête là. Et Mia et Chris qui se sont occupés de Rose. Justement aujourd'hui, on a un problème. On a besoin de toi, Evelyne. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Wow, je plaisantais, Rose. Je peux faire des tas de choses dont même Chris n'a aucune idée. Ouais. On comprend mieux pourquoi il réagit comme ça quand lui l'appelle Evelyne. Je peux gérer. Et oui. Oui, elle l'a pas vu depuis un bout de temps. Je sais. Bah oui, du coup, c'est en fait c'est pour ça la fin ouverte de. Attends, en quoi c'est bizarre là, le moment où ils partent? Ouais, c'est exactement la même fin de cinématique que sur le jeu de base en fait, pour le post-crédit. C'est vrai que je n'y ai pas fait attention. C'est vrai que ça peut amener fin ouverte, ça, t'as raison. Mais. Si Capcom ont dit ouvertement que c'était la fin des Winters pour Resident Evil. Ouais, je pensais que c'était la cinématique qui était foutue comme ça et que voilà, on voyait juste pas la voiture disparaître au bout et puis c'est tout parce qu'elle était toujours en train de s'éloigner sur la route. Basta! Mais du coup, mis à part boss de fin que je trouve que tu prends trop facilement des touches gratuites, très bon DLC. Là, j'ai rien à redire. Capcom, comme d'habitude, 20 sur 20. Depuis le 7, là, c'est un truc de fou ce qu'ils arrivent à nous faire. De toute façon, c'était. Attends, c'est quoi le DLC de Chris? Not a Hero. Et après, c'est End of Zoe. Ouais. Mais là, vu comment c'est parti, moi je pense qu'il va y avoir un DLC avec Chris.
Ça aussi, je pense que c'est fin ouverte, ce que Chris dit à la fin du jeu de base, avant le générique. Ils partent en direction du BSA. Enfin, du QG du BSA pour régler les choses. Donc, je pense qu'il y a un truc à ce niveau-là. On comprendra peut-être mieux pourquoi là, Rose est en recrutement pour bosser avec Chris. C'est ça au final. D'une manière ou d'une autre, s'ils comptent nous réintégrer Chris dans les jeux suivants, on reverra Rose possiblement, ça veut dire. Normalement, même si on jouera plus les Winters, mais Rose fera toujours partie de l'histoire. Je pense que ça va partir dans un truc comme ça. Hein. C'est pour ça, vu que depuis le remake du 2, il se recale à peu près au niveau de l'histoire, faire une refonte à ce niveau-là aussi, pour réaccorder les anciens jeux par rapport au 7. On nous a remontré en gros comment ça s'est passé à Raccoon City pour Claire, Léon et Jill dans le 3 aussi. Maintenant, ça va se réintégrer, je pense, avec Chris, parce que va y avoir des trucs dans le remake du 4. Le remake du 4 va remettre les pendules à l'heure sur certaines choses. Du coup, cette musique, pas aussi forte que Dantelontrodi, mais ils arrivent à nous faire des bons thèmes aussi. Ça, c'est cool. Et du coup, il est 6h30. Ça va, franchement. Sachant que j'ai commencé à stream à quoi? Vers minuit, un peu plus de minuit, peut-être. Bah, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à m'en douter qu'en commençant le DLC au final que c'était Ethan. Quand je voyais le trailer et tout, je me doutais que c'était quelqu'un qui voulait vraiment aider Rose et qui ne voulait pas du mal, mais je pensais pas que ce serait Ethan. On savait pas que le DLC se passait à l'intérieur du Megami 7 encore. Les trailers nous le montrent pas, ça. À part dans des détails que j'ai pas vu peut-être. Que j'ai pas su relever dans les trailers. De... 2h55. Franchement, ça va. Compléter les défis suivants. Adolescente tranquille, une ado comme les autres, je commence à m'y faire. Complètement accro. De bourreau à victime. Enfant à problème. Et une petite victoire. Ouais, extra, c'est juste ça. Les points, ils vont sur l'autre. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais explorer les lieux. C'est la plus ancienne, normalement. Pas de profonde derrière une maison. Pas de profonde laboratoire. Ça marche, Zoui. Merci d'être passé, du coup. Rebonne fin de soirée à toi. Vous à tout ça. Enfin, bonne fin de nuit, plutôt. Ou bonne journée. C'est laquelle? Au pire, je pourrais quitter et recharger. Je veux aller voir le plan un peu mieux. Cette image, du coup, c'est fond d'écran sur 20. Ouais, c'est bon, ça me recharge ici. Je voulais retourner là-bas.
Mister m'avait dit de regarder, j'ai vu le message trop tard. Voir le panorama un peu mieux. Où est-ce que je suis? C'est quoi cet endroit? Ah c'est vrai. Putain ouais. Ça j'avais pas capté au final, je pensais que c'était recouvert mais pas que c'était ça qui recouvrait directement en fait, ça descend, d'accord, ça descend de ça. Ça descend de ça pour être dans le village, dans le château, et chez un peu tous les boss. Ouais, il y en a un à l'usine. Ouais, on voit bien toutes les zones au final. Là-haut, le château de Dimitrescu. Là, c'est la partie encore village. On spawnait au début. Ouais. Attends. Si, on commençait par là-bas, je crois, après. Par là-bas, c'est Moreau. Avec le moulin, on le voit bien de toute façon derrière ça. Et là-bas au fond, normalement, c'est censé être Beneviento. J'ai un doute. Hop. On se requittait là, de toute façon. J'avais juste rechargé la save pour ça. Alors. Les défis. Je voulais revoir mercenaires et les ombres de rose, voilà. Adolescente tranquille, finir ouais, en mode facile ou supérieur, mode standard ou supérieur, non, et normal. Les ombres de rose en mode hardcore, ça ce sera pareil en off je pense, ou en stream si je suis assez de motivation. Utiliser 20 fois les pouvoirs du Mutami 7 de rose. Utiliser 80 fois les pouvoirs du Mutami 7. Et 50 ennemis à l'arme de poing dans la dans les zones de rose. Ok. Et 30 ennemis avec le fusil. Ouais, le fusil au final, je l'ai tellement économisé. J'en suis servi que sur les boss quasiment. J'ai eu un ennemi avec. Vaincre le bourreau, vaincre Evelyne. Fabriquer tous les types d'objets dans les ombres de rose. J'ai pas fabriqué les munitions de pompe et j'ai pas fabriqué de bombes tuyaux. Je crois que c'est ça. Oui, il m'en manque que deux, donc oui, c'est ça. Lectrice assidue, lire tous les documents dans les ombres de rose. J'en ai loupé deux. Ça, c'est un peu con par contre. Avant que la rose ne se fane. Finir les ombres de rose en moins de 1h30. Franchement, mode facile, arme illimitée, faisable. Si tu peux avoir les armes illimitées sur lui en New Game Plus. Même si j'ai un doute. Mais je pense que c'est faisable en facile. Sans utiliser de heal. Enfin, sans utiliser de heal par contre, ça va être un peu plus compliqué je pense. Rose et petite attendent le bureau sans se faire toucher par les poupées. Putain, j'ai réussi ça du coup. Oh. Écoutez tous les souvenirs d'état au cours d'une partie. Donc j'ai loupé des souvenirs. Donc, j'ai bien fait le tour de toute la maison. Invoquer le Megami 7 au moins 5 fois lors d'un combat contre Miranda. Ok. Donc ça c'est pareil, je pense que j'étais pas obligé de lui... Je peux faire le combat sans mes armes, peut-être. Et juste la taper avec le Megami 7. Et compléter tous les défis. Non mais ok.
Du coup, je vais acheter quoi de plus? Ouais, bah ça peut être des figurines. Je pense que juste grâce à ça, je peux avoir toutes les figurines normalement. Mettre voilà, que sur les figues et je vais repartir d'en bas. Même si. Okay, on redescend. Ouais, je peux tout avoir. Et du coup, j'ai toutes les figurines. Il y a les succès qui me demandent de... C'est pas les acheter, du coup, c'est les regarder tous au moins une fois. Fin de stream tranquille. Soit je vais faire un peu de mercenaires, peut-être un ou un peu de reverse peut-être. Ou je vais arrêter le stream là, peut-être. Je sais pas. Il va me manquer un peu pour finir les concept art aussi. Et du coup, ça fait bien 6h30. Ah si, je vais tout avoir. Juste ce qu'il faut. Pierre acheteuse, vous avez... Bah oui. Ça m'ordonne. Concept art. WSC pour changer les illustrations. QED pour le texte. C'est con,
Même dans les concept art, ils nous noircissent ou nous floutent le visage d'Ethan alors qu'on le connaît par rapport au set. De Rosemary adulte. Rosemary Winters, elle porte la veste avec laquelle Ethan l'a enveloppée lorsqu'il lui a dit adieu. Pour faire penser à Evelyn, nous avions inclus le vert dans ses couleurs de base au tout début. Il était question de la faire combattre pour venger la mort de son père. Oh. C'est vrai que c'est bien pensé. Première version du scénario, il rendait visite aux Winters habillés en civil. Ok. Les membres de l'escouade Unwolf, l'appel Alpha, la Mia sur laquelle il se tire n'est autre que Miranda. Lorsqu'il perd Rose, il appelle son escouade Unwolf en renfort. Oh, donc l'escouade, elle n'était pas là dès le début. La première fois que l'escouade d'élite de Chris fait son apparition dans l'univers de Resident Evil, cette escouade a été formée pour chasser les Lycans, d'où son nom. De gauche à droite, Umber Eyes, Sniper Chevronné, Canine, jeune maître chien, Lobo, mitrailleur, oui, ça se voit je pense. Night Owl, expert en communication, et Tundra, ex-agent secret de la DEA. Image des villageois rencontrés chez Louisa de gauche à droite. Leonardo, sa fille Elena, Louisa et Lulio. Bah oui, du coup, c'est. Ouais. Le design des villageois repose sur un mélange d'influences gothiques et modernes. Nous nous sommes également inspirés des vêtements de cheveux des années 60. Oh. Les autres villageois rencontrés dans le jeu, de gauche à droite, Sébastien, Anton, Roxana et la chamane. Le duc et sa boutique. Illustration du duc, le marchand du jeu. À l'origine, il devait faire son entrée fracassante à bord de sa roulotte tirée par des chevaux galopant à toute allure. Cette idée a été abandonnée. Parce que c'est vrai que c'est un peu random son arrivée au final. Enfin, on le croise comme ça, quoi. Parasite le cadou. Ce parasite joue un rôle clé dans l'histoire de village, si bien qu'on le retrouve dans l'emblème du village associé à 4 ailes qui représentent les 4 nobles. L'anneau doré symbolise le soleil, l'espace et l'éternité. Ceci suggère que le soleil, l'âme et tout ce qui les englobe n'ont pas de fin. Le parasite ressemblant à un fœtus évoque la place centrale de Rose dans l'histoire. Ah oui, du coup. Et vie, bah vie. Merci. Les restes cristallisés. Les restes des ennemis vaincus étaient conçus pour ressembler à des ornements. Lorsqu'une créature meurt, ses cellules se cristallisent. Et avec les différentes formes de chaque gros ennemi principal du jeu. Ça, c'est les ennemis de base. Ça, c'est les ennemis de base volants. Vous avez les cœurs. Les cœurs parfaits cristallisés, ça c'est chez Heisenberg surtout. Pourquoi est-ce qu'ils nous disent pas lesquels sont lesquels? Ça c'est Heisenberg, ça c'est Moreau. Ça du coup c'est Beneviento. Donc ça, ce serait Miranda. Dimitrescu. Et ça, c'est Miranda.
Ou ça, c'est Dimitrescu. Les emblèmes des quatre nobles. Il y en a des pages de lecture. Les emblèmes des quatre nobles du village. Celui de Dimitrescu est une fleur avec deux épées, alliant splendeur et féminité. La croix visible au centre est associée au vampire. Merde. L'emblème de la famille Beneviento est composé d'une lune et d'un soleil représentant illusion et réalité, mais également le contraste entre la noirceur de Donna et la clarté d'Angie. Ah, c'est vrai qu'on a les polos opposés. Celui de Moro est une sirène, ce qui contraste avec son apparence d'homme-poisson effrayant. C'est assez simple pour lui au moins. L'emblème d'Heisenberg est un cheval avec un fer à cheval donnant l'image d'un homme fort. Le cheval rappelle également la pièce du cavalier aux échecs. À l'origine, chaque emblème était encastré dans un livre. Au centre des quatre emblèmes se trouve un symbole fait de plumes de corbeau qui ressemble beaucoup au logo d'Umbrella. Oui, c'est le logo d'Umbrella. Mais d'une certaine manière, vu qu'on sait que Miranda a travaillé avec Spencer mais qu'ils se sont séparés parce qu'ils n'avaient pas la même vision des choses, c'est tout simplement que ils ont vraiment fait leur chemin séparé. Et ça, c'est bien qu'ils arrivent à nous raccorder les choses avec l'histoire d'origine. Dizaine de base des licornes. L'idée était de créer des zombies primitifs et c'est ce qui a donné ces créatures ressemblant à des hommes-loups. Ouais. Ouais, y a les variantes, ouais, les cavaliers, ceux avec les cheveux longs. Nous avons créé un certain nombre de variantes pour les licornes afin d'ouvrir une variété encore jamais vue dans aucun autre ennemi de la série. Oui, parce qu'on avait l'habitude de voir des zombies répétés, on va dire répétés un peu partout dans le jeu et que, y avait quelques tenues ou skins différents. Voilà, c'était tout. Les améliorations pour les originaux de Resident Evil 2 à Resident Evil 3, c'était l'apparition dans le 3, c'était l'apparition des zombies féminins à l'époque. Quoique non, dans le 2, l'apparition des zombies féminins. C'est con. Le Varkolak. Une créature féroce dérivée d'un lycan, ses cheveux humains se mélangent avec son pelage animal et ses poires vir... ses poils, ses poires. Alors que j'allais dormir, moi. Et ses poils virent au blanc. Urias est le chef des lycans. Autrefois, c'était le chef du village. Maintenant, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Urias Rayer est son grand-père. Ah, Dimitrescu. C'est bien, il nous détaille les couleurs de à quoi elles correspondent à chaque fois. Ses dessous sont blancs, sa peau elle est grisâtre, rouge à lèvres. Le cuir, ses chaussures et ses gants. Un noir vert un peu et sa robe d'un blanc immaculé. Ouais. Comme pour les villageois, sa coiffure et ses vêtements sont inspirés de la mode des années 60. Son design est basé sur la légende de Hachaku Sama, la dame haute de 8 pieds. Oh. Dimitrescu a également été pensée pour être une vampire. Les trois roses noires qu'elle a près du cœur représentent ses trois filles. Ah ouais, d'accord.
les filles Dimitrescu. De gauche à droite, Bella, Cassandra et Daniela. Elles ont toutes les trois une fleur tatouée sur le front. C'est vrai qu'il fait pas gaffe en jeu à ça. On sait du coup que normalement il aurait dû avoir une quatrième fille. Moro Aika. Les ennemis féminins errant dans les cachots du château, Dimitrescu vide les hommes de leur sang et fait des femmes ses esclaves. En réalité, et bien que ce soit difficile à voir dans le jeu, tous les ennemis rencontrés dans le château sont des femmes transformées en esclaves. Oh, ok. Les Samkor. Ah oui, putain, les merdes volantes, là. Les créatures volantes rencontrées sur le toit du château, tout comme les Moro Aika, il s'agit de femmes transformées en esclaves. Elles utilisent leur langue pour se nourrir de sang. Formation de Dimitrescu. Ouais. Dimitrescu s'inspire de Dracula, qui signifie fils de dragon. Nous avons donc opté pour une vampire ayant l'apparence d'un dragon. Nous avons utilisé le blanc, le rouge et le noir comme couleur de base en combinaison avec des éléments repris d'autres monstres de la série. Les écailles sont formées par l'agglutination de ces cellules. La taille des boss augmente considérablement lorsqu'ils se transforment. Ainsi, Alcina prend la forme d'une immense vampire avec ses crocs gigantesques. Sa transformation en détail. Et puisque sur la... Ah si, j'avais pas fait gaffe que c'était plus haut qu'on le voyait qu'il était. On peut voir la façon dont son corps humain... Pardon ? Est contenu dans son dos. De plus, sous l'influence du parasite, les cellules élargies de Dimitrescu produisent des tentacules ressemblant à des cheveux. Ouais. C'est pas faux. Donna Beneviento et Angie. Oh. Donna, la créatrice de poupées, et Angie. Donna porte des vêtements de deuil qui contrastent avec la robe de mariée de sa poupée. Le visage d'Angie reprend le soleil et la lune qui composent l'emblème des Beneviento. Putain, faut le capter, ça, par contre. En jeu, tu le captes pas, ça. Ceci se retrouve également sur le visage de Donna. En partie dévoré par le parasite, son concept de base était celui d'un fantôme. Ok. On a des trucs qui auraient dû être complètement différents. Poupées de Donna. Les poupées de la famille Beneviento fabriquées par Donna. Et le bébé. Non. Le bébé. C'est une nouveau-née aux dimensions énormes, enfantée par le mannequin de Mia. Elle rampe en traînant son cordon ombilical et poursuit Ethan qu'elle appelle papa. Elle peut à peine ouvrir l'œil gauche et met tout dans sa bouche. Lorsqu'elle trouve ce qu'elle cherche, elle l'avale sur le champ. Elle bave beaucoup et n'a pas de dents. Ses mains et ses pieds ressemblent à ceux d'un vrai bébé. Dégueulasse. Moro. Moro s'est fait une couronne avec des os de villageois. Parmi les quatre nobles, c'est celui qui est le plus rongé par le parasite. Ouais, puisqu'on voit en fait... Ouais. Avec la vue comme ça du squelette, on voit que au final, ça s'est... vachement développé sur lui. Son design repose sur le concept d'une créature mi-homme, mi-poisson. Nous avons utilisé des éléments de créature marine en lui donnant un côté monstrueux, caractéristique de la série. Mais contrairement aux autres créatures transformées de la série, Moro peut comprendre et parler le langage humain, ce qui fait de lui un monstre à part.
Son dos ressemble à un énorme cerveau sur lequel se sont formés des yeux. Moro est également inspiré du Kappa, célèbre monstre du folklore japonais. Ok, Moro est un Kappa. D'accord. Transformation de Moro. Lorsqu'il se transforme, Moro ressemble beaucoup plus à une créature aquatique. Ouais. La taille des boss augmente lorsqu'il se transforme. Moro devient ainsi une immense créature aquatique couverte d'yeux qui ressemble à des œufs, à des œufs de grenouille. Au final, la seule qui change pas de forme, c'est Angie. Il utilise ses grands bras, ses longues jambes et son corps de poisson géant pour nager. Ça a du sens. Transformation de Moro en détail. Nous avons utilisé ceci pour visualiser les attaques de vomi acide de Moro ainsi que son corps humanoïde présent dans la bouche de son corps de monstre. Nous avons essayé de donner un côté aquatique malsain à chaque mouvement et chaque attaque. Karl Heisenberg. Le personnage d'Heisenberg s'inspire en partie du docteur Frankenstein. Oui, avec ses expériences et tout, ça a du sens, ça aussi. Nous voulions créer un personnage à la fois grisonnant, charismatique et un peu rude sur les bords. Il fume des cigares cubains. Transformation d'Heisenberg. Vu en détail, elle est ouf. La transfo. De loin, t'as pas le temps de la voir correctement. Surtout avec moi qui utilise le FSR, ça fait trop foutasse. Nous avons opté pour une apparence à l'opposé de sa forme humaine, celle d'un monstre mécanique géant. Ce design repose sur l'idée qu'il utilise des morceaux de ferraille éparpillés tout autour de l'usine. Il possède des armes provenant des chars et d'avions et dispose de montagnes de ferraille pour ses expériences produites en série. Oui, pour le scale. Splendid Royal Moss Caterpillar. D'accord, vous avez envie de dessiner un truc comme ça. Mais ouais, pour le scale, Ethan est petit, hein, côté d'Heisenberg. Son design d'origine était basé sur la chenille de la Citoronia splendens. Nous voulions donner l'impression qu'il se déplace sur des chenilles et le rendre plus rapide que n'importe quel autre boss. Heureusement qu'ils l'ont pas rendu plus rapide. Le soldat Heinz. Nous avons longtemps surnommé cet ennemi Drillman en raison de la foreuse qu'il a à la place du bras. Oui. Sa poitrine renferme un réacteur avec le parasite qui agit comme un moteur à combustion à l'intérieur. Quant au masque, il s'agit d'un appareil utilisé par Heisenberg pour le contrôler. Comme on voit sur certains des autres ennemis un peu plus basiques. Nous avons cherché à rendre les ennemis de l'usine différents des autres, de façon à ce qu'ils soient non seulement terrifiants, mais génèrent également un fort sentiment d'anticipation. Ouais, parce qu'on s'y attend qu'ils nous fassent des grosses attaques, ils essaient de nous charger quand même. Leur design s'inspire des armures médiévales que l'on retrouve en Occident. Du coup, lui c'est le soldat Heinz, ça c'est le soldat Panther, soldat Jet. Ce type d'ennemi était surnommé Jet Drill durant le développement. Il dispose de réacteurs dans son dos et sa tête a la forme d'un avion de chasse. Oh, son design s'inspire en partie de la Limule. Nous avons voulu marquer une différence au niveau de la quantité de détails entre les faces avant et arrière pour donner un aspect particulièrement repoussant à la face arrière. En
soi, c'est moins. Enfin, c'est plus détaillé, justement, mais elle est plus propre. Son dos, c'est plus propre à voir. Donc, ça n'a pas l'effet escompté, je dirais. Là, je sais pas, c'est plus pro... c'est vraiment propre le dos. Comment ils l'ont foutu. C'est rangé au final. Ce qu'on voit, voilà, les tuyaux partent un peu dans tous les sens, mais on se doute un peu d'où ça va. Stern. Lui, c'est un chieur. L'hélice sur sa tête est faite de lames de tronçonneuse. Accidentellement coupé le bras avec. À un moment, nous avons pensé faire du Stern le vrai père d'Heisenberg. Cet ennemi était surnommé Propeller Man durant le développement. Urias Spryer. Le parasite dans le corps de cette créature s'est développé de façon anormale par rapport aux autres licans. Nous l'avons conçu pour être le gardien du Megami 7 dans sa version finale. Il brandit une masse géante et non un marteau. Urias et son petit frère. Hein? Donc il y a le père et les deux frères. Ça veut dire en ennemi comme ça. Miranda. Mère Miranda est basée sur le concept d'une reine corbeau. C'est une gourou qui veut s'emparer de Rose et qui est capable de prendre l'apparence qu'elle souhaite. Les ailes dans son dos sont faites de moisissures et elle peut les contrôler à sa guise. Sa robe est vieille et usée, indiquant qu'elle dirige ce village depuis longtemps. Incarnant l'origine du mal dans ce jeu, Miranda rappelle aussi le talisman utilisé pour village. Les emblèmes des quatre nobles sont également représentés sur son étoile, preuve supplémentaire de son règne. Hein? Ah ouais, d'accord. D'accord. Transformation de viande. Sa transformation, elle est dégueulasse. Y a pas d'autre mot. La moisissure se met à sortir de son corps, durant sa bouche et sa peau. Son auréole dorée grandit à partir de sa colonne vertébrale et se solidifie. Elle a vécu très longtemps et son âge se manifeste enfin. Nous voulions que le combat contre Miranda soit intense et difficile, nous avons donc choisi de conserver son côté humain. Transformation de Miranda, forme volante. Ouais, c'est la moisissure qui fait les plus grandes ailes, tout simplement. Miranda se connecte à la moisissure pour accéder à la composition génétique. Différentes créatures se transformer durant le combat. Ouais, araignée géante, les ailes, tout ça. Transformation de Miranda, forme arachnido. Cette forme Miranda ressemble à une araignée géante. Le livre de contes 1. Ah oui. Pour le livre de contes, nous nous sommes inspirés des livres animés et des chigris. Illustration japonaise faite à partir de papier déchiré. Ah, c'est pour ça tous les petits bouts de papier autour. D'accord. Les couleurs de base de village sont l'or antique, le noir métallique et le blanc pur. Toutes ces couleurs ont été utilisées dans le livre.
La famille du livre de contes renvoie évidemment à Ethan, Mia et Rose. Dans la version finale, la petite fille et Rose adulte ont la même coupe de cheveux. Sceptre pour le seigneur des chauves-souris. Son pelage blanc s'inspire de Dimitrescu et les trois autres chauves-souris noires représentent ses filles. L'image des chauves-souris est une référence à Dracula. Livre de conte 4. Le roi des poissons et le tisserand sombre envoient respectivement à Moreau et Donna. Et le cheval. Concept art pour le destrier de fer et la sorcière qui sont évidemment basés sur Heisenberg et Miranda. Concept art de la scène durant laquelle la petite fille et sa mère vont dans la forêt. Concept art du moment où la petite fille se perd dans la forêt. Concept art du moment où les parents vont dans la forêt pour sauver leur fille. De la mère s'enfuyant avec sa fille tandis que le père affronte la sorcière. Ah, Mia et Rose. Et on retrouve l'emblème ici. Concept art de la scène du prologue de Village durant laquelle Mia lit un livre de contes à Rose. Concept art de la scène du prologue de Village durant laquelle Chris tire sur Mia et s'empare de Rose. Concept art de la scène du prologue de Village durant laquelle Chris enlève Rose. Concept art utilisé par l'équipe de développement pour visualiser la scène à travers les yeux d'Ethan. Ouais. Et parce que ce... Oui, voilà, il y a la main. Et à ce moment-là, voilà, nous, c'est le moment où on est au sol et qu'on se relève. Cette tarte contre les lichens. Une arme ancienne que nous on tient dans les mains. Enfin, dans la perspective, notre personnage tient une arme assez ancienne dans les mains quand même. Le jeu a connu de nombreux changements au cours de son développement, mais il a toujours été conçu comme un survival horror. Comme cela que les lichens ont été créés. Petit village. D'écran sur 20. Tellement. Vue des montagnes surplombant le village en contrebas, ce concept art remonte au premier jour de développement. Nous voulions proposer quelque chose de plus ouvert par rapport à Resident Evil 7 qui jouait sur la peur d'être enfermé dans une maison. Les montagnes immenses donnent le sentiment d'un village hanté et coupé du monde. C'est le cas de toute façon. Fallait faire un truc reclus pour que l'histoire fonctionne. Miranda et les autres qui puissent faire ce qu'ils veulent, les villageois, tout ça. Concept art a été créé pour montrer à toute l'équipe le niveau de qualité graphique que nous voulions atteindre avec ce jeu. C'est putain, c'est propre. Y a rien à dire. Un grand moulin à vent surplombe le cimetière. La porte reliant le village au château Dimitrescu. Le relief sur la porte montre une jeune fille ayant autrefois protégé le village contre un terrible démon. Maison de Louisa. Cette art montrant les champs menant à la maison de Louisa. L'épouvantail n'a rien de particulier, mais on peut voir un certain nombre d'objets faits d'os de chèvres érigés pour chasser les mauvais esprits. La joie qui sont parvenus à échapper aux lichens se sont regroupés. Ah, et dans l'idée, devait y avoir une mère avec son enfant.
Je m'en tout engourdi. Il va être temps que j'aille dormir après. Les Vicans apparaissent comme des créatures sauvages, mais nous voulions également montrer qu'ils agissent en eux. L'une des difficultés a été de trouver le bon équilibre entre intelligence et côté animal. L'église rupestre. Cet art pour le jugement d'Ethan, Miranda et les quatre nobles ont commencé à utiliser cet endroit pour décider du sort des hérétiques. merde. De gauche à droite, Dimitrescu, Donna, Miranda, Moro et Heisenberg. Leur position dans la pièce et la façon dont ils se tiennent reflètent le statut et la personnalité de chacun. Ouais, mis à part Miranda qui est au-dessus de tout le monde, on voit bien lesquels des deux sont les plus proches au final de Miranda. Moro a sa façon pour vouloir plaire à sa mère, tout simplement. Plaire à mère Miranda, être considéré comme les autres. Donna, je pense tout simplement que c'est... Voilà, elle veut ça... Elle sait que sa place est aux côtés de Mère Miranda, de base. Et les deux autres qui se tirent un peu la bourre. L'un en face de l'autre. Lévin. Concept art pour Lévin situé à l'extérieur du château où Dimitrescu fabrique son vin. On peut voir ses filles emmener l'une de leurs victimes. Ouais. Statue des quatre ans. Le château de Dimitrescu est effrayant, mais il est également rempli d'œuvres d'art fascinantes, comme ses statues. Concept art pour la garde-robe de Dimitrescu, ses vêtements sont essentiellement blancs ou rouges. Ouais. Salle de dégustation. Ah, est tellement détaillée, cette salle. Enfin, sur le concept. C'est fou. La salle de dégustation au sous-sol du château où les victimes de Dimitrescu sont vidées de leur sang pour faire du vin. Dimitrescu au sous-sol. Dimitrescu jette un œil dans sa cave à vin tandis qu'Ethan se fera un chemin dans les souterrains du château. C'est le moment où on la voit ressortir avec la bouteille spéciale là, qu'on va récupérer ensuite dans la cuisine. Salle de collection. Salle remplie d'objets précieux et d'œuvres d'art. À l'origine, c'est ici que devait se trouver le labyrinthe. Et c'est la salle d'en haut ou en haut de la de la salle avec le piano, à côté de la bibliothèque, là, où on trouve le labyrinthe cassé qui nous donne la première boule. Et normalement, le labyrinthe devait nous donner le lance-grenade. Statue du masque mortuaire. Premier masque. Ah non, c'est la statue. Ça représente la même chose que la statue qu'on complète avec Rose aussi. À gauche, la statue sur laquelle se trouve l'un des masques. À droite, un concept art pour la clé en fer forgé. Avec une grille décorée du même insigne. Ils ont gardé ça de toute façon pour la clé. Bon, ils ont ajouté des dorures sur les portes et un petit peu sur la clé aussi, je dirais, au centre. Salle d'ablution. Ah oui, l'énigme. Cette salle abrite quatre statues, une dame, un seigneur, une servante et des fermiers. Le seigneur dépouille les villageois de leur récolte, il les passe ensuite à la servante qui les présente à sa dame. Putain, elle est creepy là dans le miroir. Appartement privé de Dimitrescu. Cette scène est devenue celle de l'appel téléphonique entre Dimitrescu et Miranda. Ouais, sur le concept, elle est tellement creepy dans le miroir. Différents concepts pour la clé de Dimitrescu. Associant son emblème
à différents éléments empreints de féminité. Le design final a été choisi pour sa forme unique. Ouais. Au final, ils ont gardé un peu le troisième concept. Avoir une clé pleine comme il monte là sur le septième, ça aurait pas. C'est super. Porte de Dimitrescu. La porte a été conçue pour correspondre au motif représentant la clé de Dimitrescu. Pour le design final, nous avons retenu la porte ayant l'emblème le plus clair et l'encadrement le plus effrayant. Griffe de Dimitrescu. Dimitrescu utilise ses ongles semblables à de longues griffes pour semer le chaos dans les cachots. Quoi du château? Concept art pour les ennemis volants rencontrés sur les toits du château. Pour du pull. La tour finale du château dans laquelle Ethan affronte Alcina Dimitrescu. À l'origine, elle devait abriter des armes anciennes. Et au final, c'est ouais, ça ressemble plus à une chapelle dans la version qu'on a eue. La dague de l'assassin. La dague qui provoque la transformation d'Alcina Dimitrescu en une créature géante. Un homme a tenté de tuer Alcina Dimitrescu avec cette dague. Comme l'arme représentait une menace, elle l'a cachée dans le cercueil de son agresseur dans la tour du château. Pour le design final de cette dague, nous avons opté pour celle ornée de fleurs et dont la lame a la forme la plus singulière. Au final, ils ont gardé ouais, la forme de la lame. Du deuxième et enfin, le premier de la deuxième colonne et l'autre du coup le deuxième de la dernière. Vallée brumeuse. La zone autour de la maison Beneviento où vivent Donna et ses poupées est plongée dans une brume épaisse. À l'origine, nous pensions inclure une scène dans laquelle Ethan aurait été attaqué par des ennemis sur ce pont suspendu au moment de retourner au village. C'est vrai que ça aurait été bien pensé. Ça aurait peut-être fait too much alors qu'on ressortait tout juste de chez elle. Jardin de la maison Beneviento. Concept art pour le jardin menant à la maison Beneviento. Parterre de fleurs des Beneviento. Parterre de fleurs avec une grande pierre tombale en son centre. Donna a installé de petites tombes tout autour pour chaque poupée cassée. Donna utilise ses fleurs jaunes pour donner des hallucinations aux gens. Ouais, c'est ça qui nous fait passer un sale quart d'heure. L'apparence et la configuration de la maison n'ont que peu changé depuis le design initial. Nous avons procédé à son amélioration par de petites touches successives. En revanche, ça devait être la maison d'un médecin au début et non une maison de poupée. Donna était le médecin du village et Angie n'existait pas. Attention, donner un passé encore plus sombre à Donna en évoquant sa famille qui se serait suicidée en se jetant du haut de la cascade. D'accord. Ça aurait donné un truc totalement différent et ça aurait pas fait un truc aussi spooky. Ouais.
atelier de poupées, la pièce au sous-sol de la maison Beneviento où le mannequin de Mia a été fabriqué. L'aspect global de la pièce n'a pas beaucoup changé, contrairement au design d'Angie. Ici, ouais, c'est Angie au milieu. Ouais, donc ouais. Mannequin Mia. Le mannequin qui représente Mia a toujours été destiné à être un casse-tête. D'accord. Comme la maison était à l'origine celle d'un médecin, le mannequin devait être un corps ressemblant à Mia. Un jeu pêcheur. Là, bon. Concept art pour une scène où Ethan tombe sur Moro alors que celui-ci cherche des cadavres pour ses expériences. Et putain, c'est fourmi de détails là dans les décombres, le moulin dans le fond. J'adore. La façon dont Ethan gagnerait le sous-sol depuis le moulin avant était décidée très tôt. Comme nous voulions que cette zone soit répugnante, nous avons intégré beaucoup d'éléments dégoûtants dans le décor pour créer une atmosphère à la hauteur du personnage de Moro. Et oui, ça colle. Rencontre avec Moro. Cet art dans lequel Ethan rencontre Moro. On peut également apercevoir l'usine d'Heisenberg au loin. Ah ouais, en haut. Ok. Nous voulions initialement créer un village de pêcheurs. Comme cela aurait été peu réaliste dans la zone géographique que nous imaginions, nous avons finalement opté pour un village inondé. Le niveau utilisé pour actionner les moulins à vent comporte un dessin qui représente le kraken. Créature mythique des fonds marins. D'accord. Les écluses. Enfin, les écluses. Nous avons eu l'idée d'inclure une énorme écluse avec des vannes pour drainer l'eau. Il a donc fallu concevoir une zone inondée et non inondée. Oui, du coup, oui. Chercher à concevoir la zone un peu en double, d'une certaine manière. Grotte aux peintures rupestres. Cette art d'une scène où Ethan rencontre à nouveau la chamane, c'est aussi là qu'il obtient la clé. Ouais, c'est là le début. Une des quatre rois. Les quatre rois réunis autour du calice. Cette scène représente les fondateurs du village, protégeaient autrefois le calice. Ruine des quatre rois. On peut voir le calice sur l'estrade. La clé ailée rappelle le symbole du village. Porte vers les ruines. À droite se trouve la route qui conduit à la maison Beneviento, et derrière la porte se trouve le chemin qui mène aux ruines avec les statues des quatre rois. Mmh. Un croisement avec en son centre une estrade circulaire qui signale l'ouverture du jeu. Parce qu'au final, bon, c'est linéaire dans le sens où on est obligé de faire zone par zone. À chaque fois, ça nous oblige à... on est obligé de repasser dans le village. On peut explorer un peu plus le village pour les bonus et tout. Donc, c'est vraiment cool, ça. Et ça, nous avons repris le design de Resident Evil 7. Et y avons apporté quelques modifications, notamment sur le logo. Sac d'hydratation dans le dos apporte une touche singulière au design des soldats. Le BSA est maintenant une organisation corrompue qui utilise des soldats créés à l'aide d'une nouvelle technologie.
C'est autrefois une scierie utilisée par les villageois, elle est désormais envahie par les Ligands qui en ont fait leur repère. Concept art pour le repère des Ligands. Ceux-ci sont dotés d'une intelligence et d'une mobilité qui diffèrent des zombies, Ganados ou autres Magini. Nous voulions créer un environnement qui reflète ceci. Oui, comme ça, ils peuvent vraiment montrer tous les mouvements qu'ils peuvent faire. Forteresse 2. Au cœur du repère des Ligands, dès le début, nous voulions un combat dans un endroit qui s'étend en hauteur. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Concept art. Pour le pont menant à l'usine d'Heisenberg. À l'origine, il devait conduire aux ruines d'un hôtel que l'on peut voir à droite de l'usine. Faudrait que je fasse gaffe la prochaine fois si on le voit en jeu, ça aussi. Attaque de Sturm. Le Sturm poursuit Ethan dans un couloir étroit, détruisant tout sur son passage. Concept art pour la salle centrale de l'usine et la scène à l'issue de laquelle Heisenberg jette Ethan dans un trou. Et donc on était censé avoir beaucoup plus de trucs représentant les expériences d'Heisenberg au final. La machine de couler. Machine de couler qui permet de créer divers objets en métal. Dès le début du développement, il a été question d'utiliser ceci pour un puzzle nécessitant de créer une clé. Cette pièce était autrefois destinée à la fonte du métal. La fonte de métal. Heisenberg a fini par l'utiliser pour ses terribles expériences. Elle est également connectée à une pièce secrète donnant sur la salle des machines. Des machines avec ses énormes pistons. Concept art représentant le combat dans la zone du broyeur. Oui. Clé d'Heisenberg. Nous avons opté pour un design similaire à l'emblème d'Heisenberg avec un cheval et un fer à cheval donnant une impression de force. Concept art pour la série d'événements menant au combat contre Heisenberg. Ethan tombait dans la fosse au crépuscule et revenait à la tombée de la nuit. Sous un ciel orageux, le déroulement des événements n'a pas beaucoup changé par rapport à notre idée de départ. Concept art pour le combat de boss contre Heisenberg. Dès le départ, nous voulions que l'affrontement commence à bord d'un véhicule de combat. À l'origine, nous pensions donner aux joueurs la possibilité de faire tomber les tours de transmission sur Heisenberg. Hein? Au final, c'est devenu tir sur les gros points rouges, mais bon. Combat contre Heisenberg, deuxième phase. Nous avons imaginé que la cour de l'usine serait jonchée de morceaux de ferraille et de véhicules qu'Heisenberg pourrait utiliser pendant le combat. Section de Chris. Un concept art qui met en scène Chris Redfield. Nous voulions montrer une bataille entre Chris, le BSAA et les Ligands. Donc on essaie. Ouais, donc. C'est prévu qu'on les combatte, les mecs du BSAA, pas juste qu'on les voit passer. Village rongé par la moisissure. La moisissure consume lentement le village sous une lune écarlate alors que la cérémonie atteint son point culminant. Lorsque Miranda débute la cérémonie, des tentacules de moisissure semblables à des plantes se mettent à envahir les Ligands et le village sombre dans le chaos. Ah, je suis presque au bout. Ouais, le méga mycète. Chris trouve le méga mycète dans des ruines. C'est un énorme amas de parasites qui se sont agglutinés pour donner cette forme troublante.
L'histoire révèle que tout a commencé ici avec la présence de cette chose au centre du réseau de moisissures. Il a étendu ses racines pendant des centaines d'années avant que Miranda le trouve et utilise ses pouvoirs. En sortant des ruines, Chris trouve le laboratoire de Miranda où la vraie Mia est retenue prisonnière. Ouais. J'aime bien voir ces trucs-là avec les petites explications, ça permet de comprendre un peu mieux les idées des développeurs quand même. Lieu de cérémonie. Cette illustration représente le dernier combat d'Ethan. On y voit Miranda sous les traits de la chamane utilisant Rose pour effectuer la cérémonie. Les tentacules de moisissure ont envahi les statues des quatre rois et ressemblent presque à des ailes déployées. Ouais. Faut nous le dire quand même, après, enfin, c'est pas le genre de truc auquel je penserais, moi. C'est beau, après, dans le concept art, c'est très beau, mais c'est pas le genre de truc auquel je penserais. Ils expliquent. Concept art pour le combat d'Ethan, Miranda sur le lieu de cérémonie recouvert de moisissures. Nous voulions réfléchir à ce que donneraient les ennemis de village en vue à la première personne. Des dessins comme celui-ci ont joué un rôle important pour imaginer le gameplay. Transformation de Miranda forme arachnide. Ethan affronte Miranda sous sa forme arachnide. C'est dégueulasse. La forme vivante. Et la scène finale. Concept art pour la scène finale avec Ethan dans laquelle Chris et lui s'enfuient du village. Miranda, qui a fusionné avec le parasite géant, fait tout pour empêcher Rose de partir. Sa forme rappelle le symbole du village avec le parasite et les ailes de corbeau. Ouais. Hein? Donc, Rose tient un bouquet de fleurs pour la tombe de son père et le livre de contes que ses parents avaient l'habitude de lui lire quand elle était bébé. Chris lui a donné la veste d'Ethan. Avec la bague de son père, un précieux souvenir d'un homme qu'elle n'a jamais connu. Ah, au final, on sait. Ici, ils nous disent pas comment elle l'a obtenu, donc ça, c'était pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là du développement, quand ils ont écrit ça, c'était pas encore prévu qu'elle récupère la bague dans le Megami 7 en rencontrant son père. Alors qu'elle se rend en bus au cimetière où se trouve Ethan, elle observe une mère et sa fille en train de discuter. Une fois devant la tombe de son père, elle est interrompue par un homme ressemblant à un garde du corps. Et le mec qui vient la chercher. Alors, de gauche à droite, les pistolets Lemmy. V61 custom, une bombe tuyau, et le V61 custom en bas est entièrement modifié. Donc moi ce que j'ai loupé pour le V61 custom, c'est le canon et le chargeur, ça je le sais. Arme 2, le pistolet en haut est le M1851 Wolfsbane, avec un loup gravé sur la crosse. Utilise des munitions magnum de calibre .50. Au milieu se trouve le fusil M1897 avec un aigle gravé dessus. Et en bas, on peut voir le lance-grenade GM79 avec un cheval gravé sur la. Ouais. J'aime bien qu'ils ont réutilisé le design qu'on a l'habitude de voir depuis le 2. Ou du lance-grenade. Ils sont pas tombés dans la facilité à nous mettre un lance-grenade à gros barillet là. Arme 3.
Voilà, les fusils F2 au-dessus et SIG 12 en dessous, tous deux équipés de leurs éléments de modification. Ouais, il y a la lunette et le chargeur pour le sniper. Le SIG 12. Il y a le pointeur laser, le frein de bouche et le chargeur. Non. Pareil, un chargeur arrondi comme sur un AA-12. Gauche à droite, le M1911 et sa version entièrement modifiée. Du coup, il y a juste un chargeur en plus. La version modifiée. Ah non, la crosse aussi. Le grip. Et du coup j'ai le succès. Donc c'est le dernier. Fabriqué par Heisenberg, ce véhicule de combat est équipé d'un canon sans recul. Il dispose également d'un grand moteur doté d'un compresseur. Nous avons augmenté la taille des chenilles dans le jeu par rapport à ce que nous avions imaginé au départ. Bon, pas mal, hein. Les figurines, c'est pas. On a une. Beaucoup quand même. Personnage et A. Anne, A. Rosan et Chris. Enfin, le premier Chris qu'on voit, du coup. Enfin, non. On voit comme ça tout le long du jeu avant le moment où on le contrôle. Le duc. La chamane, grand Ligand qui sont les premiers sous-boss, le Varkolak, Urias, Ancina, Bella, Ra, Daniela, et Moroaika. La transformation de Dimitrescu, Donna et Angie, le bébé, non. Ah, le bébé. Moro. B. Transformation. O. Karl Heisenberg. Holler. Soldat Heinz. Soldat Zweig. Soldat Jet. Panzer. Stern. Transformation d'Heisenberg. B. Rise. In. Nighthawk, Lobo et Tundra. Soldat du BSA, le Mega 7, Urias, Miranda, Formation Panda, Formation Berserker. D'accord, donc ça c'est la forme qu'on voit à la toute fin. On voit ça. Rose adulte, le lémi, et 11 000. Et lui, il a que le chargeur et le gris. V61 pouces. Lui, il a que le. Faire pivoter. Modifier, je crois qu'on lui rajoute juste sa crosse et le et la gâchette. Même pas. D'accord. Tac. Tac modifié. Modifier sexe. Ah, c'est lui, voilà. Lui, on change la crosse, la poignée, je crois que c'est le chargeur aussi. SIG 12,
Et là, on le voit bien, il a le l'embout sur le canon et le chargeur avec le pointeur laser au-dessus. IF2, fusil IF2 modifié. Wolf Bane. On va le dire correctement. Parce que du coup, on modifie le barillet pour qu'il y ait plus de balles dedans. Je crois que c'est le canon qui est un peu plus long aussi. Ouais. Le stay. Faut que je débloque d'ailleurs. Tech modifié. Le GM79. WC. Le couteau 40 bytes. L'USMAI. Le dragon. Donc ça c'est une arme spéciale que je débloque par les PC là, mais ça c'est les deux armes de Chris. D'accord. Le hand cannon PZ, pistolet lance-roquette, Thor's Hammer AW modèle 2, le MA51 GQ. Ah, c'est l'arme du commando. Le GL7. Le sniper SA-110 avec le trier. Pareil pour la mitrailleuse PT. C'est PT. Et le véhicule d'Heisenberg. Bon, bah voilà. C'est le tour. On a fait le tour. Boutique spéciale. Plus de façon pour le ce que j'ai. Ça va me coûter 80 000 points pour les munitions infinies du lance-grenade. Ça c'est tout que j'ai pas débloqué. Après les munitions infinies pour le dragoon, ça m'a coûté 50 000. Et puis voilà quoi. Nouvelle mission. Allez voir. Oh, Ethan, Chris. D'accord, tu commences, t'as Ethan ou Chris. La récompense. Ça permet de commencer chaque niveau avec 5 000 lei supplémentaires. Débloque le niveau château, usine, village fou, village sanglant, village 2, rivière sanglante, château 2, usine 2, village fou 2. Débloque l'accès au LZ Answerer dans la boutique spéciale. Débloque une option dans les paramètres de jeu pour accéder à de nouvelles modifications d'armes une fois l'aventure principale terminée. Le rang S ou plus dans le village avec Ethan, mais la capacité des armes est doublée. L'attaque augmente quand il reste moins de 30% de vie aux ennemis. C'est pas mal. Ça, c'est pété par contre. Il fait la vitesse augmente grandement, mais les dégâts subis augmentent aussi. Les couteaux infligent 10 fois plus de dégâts, mais les autres armes deviennent beaucoup moins puissantes. Statue récompensant vos exploits tournera dans la salle du marchand. Ok. Les zones de combat, le mode berserker. Et lorsque le mode berserker n'est pas activé. La jauge de rage. Oui, éteint exécution, éteint vitesse éclair. Activer la jauge de rage se remplit progressivement au fil du temps. Tour de rappel.
Un tir d'arme à feu après un crochet du gauche fait plus de dégâts. De plus, le niveau de rage augmente en cas de tir dans la tête. Lorsque le mode berserker est activé, tuer un ennemi d'un tir dans la tête remplit grandement la jauge de rage. Tuer un ennemi avec un coup de poing direct recharge instantanément l'arme équipée. Cette statue récompensant vos exploits attendra dans la salle du marchand. La statue prise, ok. Débloque un personnage secret. Débloque un secret. Ok, je dois obtenir le rang A pour voir les conditions dans lesquelles je les obtiens. Il y en a quelques-uns. Et ça, je pense que c'est tous les personnages. Ou d'autres trucs. Mais du coup, c'est sûr, il y a des personnages dedans. Voilà, il y en a un deuxième là. Ouais. Rang S. Ouais, t'as pas mal de trucs avec le rang A et tous les trucs avec le rang S dans Rivière Sanglante et dans au moins un niveau du mode normal. Non, dans tous les niveaux du mode normal. D'accord. Ça fait rang A dans tous les niveaux du mode normal et rang S ou plus dans le niveau Rivière Sanglante pour voir les autres. D'accord. Du coup, je pense que je referai encore un stream sur RE8 pour faire un peu de mercenaires, histoire de faire la petite vidéo bonus à mettre dans la playlist YouTube. Je pense que ce sera pas mal. Donc sur ce, pour ceux qui pourraient encore être dans les parages, je vais vous souhaiter une bonne journée, vu l'heure. Moi, je vais aller m'allonger un petit peu et me reposer à toutes ces émotions. Je reste sur mon avis que j'avais, mon ressenti que j'avais dès le début du DLC là. Franchement, Capcom GG 20 sur 20. Voilà ce que j'avais à dire. Moi, je vous dis à la prochaine. Des bisous, les gens. Ciao, ciao.